Hello, bonjour à tous. Voilà, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo ici assez rapide pour vous informer, voilà, que j'avais décidé de vous faire quotidiennement des petites vidéos ou des longues vidéos, on verra, suivant le temps que ça me prend. Des vidéos comme par exemple, je pense vous publier quotidiennement différentes astuces, voilà, avec votre tupperware, des facilités dans votre cuisine de tous les jours. Vous proposez aussi des recettes, voilà, parce que ça, je pense que c'est ce que tout le monde aime voir réaliser. C'est beaucoup plus parlant, voilà, si je fais des vidéos que de vous donner les recettes. Et alors, pour terminer, je vous ferai régulièrement également des explications produits. Voilà, évidemment, tout ce que je vous propose ici, ben évidemment, je préférerais venir les faire en présentiel chez vous. Donc ça, si jamais j'ai la possibilité de me déplacer chez vous si vous le souhaitez et donc de gagner beaucoup de cadeaux. Alors, pour commencer, voilà, on va innover, on va faire la première aujourd'hui. Je vais vous proposer une première astuce. Donc voilà, ici, je vais vous parler par exemple des multiflex. Alors, en particulier ce multiflex, donc c'est la feuille de cuisson, car je sais bien que déjà moi, d'ailleurs au début, avant de connaître l'astuce ici, je peux être claire, ça me saoulait vraiment de devoir l'essuyer. Mais alors, une fois à la concession, parce que c'est ça qu'il y a de bien aussi, c'est que quand vous faites partie de la grande famille de la concession de l'Overval, c'est qu'on partage vraiment énormément entre nous. Et c'est tout à fait par hasard, en parlant avec une des managers, voilà, de la concession, qu'elle m'a donné l'astuce ici. Alors, donc, je vais ici mouiller la feuille de cuisson. Voilà, donc vous venez de laver votre feuille de cuisson. Pour avoir très facile à l'essuyer, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez tout simplement allonger comme ceci votre essuie. Je vais reculer un peu, voir, hop, pour que vous voyez correctement. Voilà. Je ne sais pas si on voit mieux ou pas. Voilà. Vous venez mettre votre feuille mouillée sur votre plan de travail et il vous suffit de la rouler comme ceci dans votre essuie. Donc là, je crois qu'on voit correctement. Voilà. Puis voilà, vous faites un petit passage comme ça. Et dès que vous allez dérouler, votre feuille de cuisson sera totalement sèche. Vous n'aurez plus qu'à la ranger. Donc ça, je trouve que c'est top de chez top comme astuce. Voilà, c'est un truc à avoir pour tous les jours. Alors, deuxième chose, pour avoir plus facile à la ranger dans votre armoire ou votre tiroir, je ne sais pas suivant comment vous avez organisé votre cuisine, pour éviter qu'elle se déroule, ben, tout simplement vous mettez un élastique autour. Ou alors, moi ce que je propose aussi, mais je n'en ai pas ici pour l'instant, c'est un rouleau d'essuie-tout vide. Voilà, vous venez juste le mettre dedans et comme ça elle ne se déroule pas dans votre tiroir. Alors, l'avantage avec les multiflex, c'est qu'ici vous allez avoir une astuce en bonus. Je suis sûre que parmi vous, vous avez déjà eu des traces blanches sur vos multiflex. Donc voilà, vous le voyez, il devient un peu gras comme ça et blanc. Et bien c'est tout simplement parce que c'est la graisse au fil des cuissons qui ressort de votre multiflex. Donc voilà, l'entretien n'a pas été fait correctement et donc on voit apparaître ces traces blanches. Pour éviter d'avoir ces traces blanches sur vos multiflex, et bien c'est très simple. Il vous suffit de nettoyer avec de l'eau bouillante, savonneuse, votre multiflex et vous le rincez à l'eau froide. Ensuite, vous l'essuyez avec ma technique ou comme vous voulez, mais vraiment le sécher bien correctement. Et vous verrez, vous n'aurez plus jamais de traces blanches sur vos multiflex. Donc voilà, c'était les astuces du jour. Je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt!